Et bonjour à toutes et à toutes. Alors, je vais vous parler d'une. Alors, c'est pas moi qui vais le faire, qui vais pratiquer aujourd'hui dans la pratique. Je vais vous parler de. Alors, déjà, je tenais à présenter ce que je vais vous démontrer aujourd'hui. Ça parle de. Déjà, c'est d'un art martial, Panchasilat. Comme on dit, on garde l'esprit ouvert, tout ça. Donc, moi, je suis plutôt pour le Panchasilat aujourd'hui. Donc, avec Franck Robert. Qui est Franck Robert, 7e Dan, diplômé, enfin, expert fédéral en Panchasila, il a son académie et tout ça. Et c'est quelqu'un dans sa théorie que j'aime bien parce qu'il a, comment dire, il a une vision qui se rapproche un peu plus de la réalité, comme sur le débat qu'il avait eu avec Gilles Arsène et tout. C'est des débats que moi j'écoute attentivement aussi parce que ça permet de voir qui. Chacun leur théorie, comment ils s'adaptent. Et Franck Oppers, il est très bien à ce niveau-là parce que pour moi, il se rapproche de la réalité. Je regarde souvent ses vidéos, je trouve ça très intéressant. Je trouve ça, même moi en tant que karatéka, ça m'apprend des choses sur ma panoplie à moi, que ce soit en self-défense, sur plein de trucs. Et moi, quand je regarde ses vidéos, c'est plus basé sur la self-défense. On oublie la compète, mais plus sur la self-défense. Et moi, je trouve ça plutôt super. Donc, là, ce que je vais vous démontrer, c'est comment alors mettre KO avec un low kick. Donc le low kick, coup de pied qu'on voit souvent en boxe thaï, boxe, mais lui il a une manière très spéciale de faire son low kick et que j'ai trouvé ça très intéressant. Et il y aura aussi sur la vidéo comment trouver le point spécifique pour mettre ce low kick. Alors bien sûr, ça se mettra avec la partie la plus dure, le tibia. Donc, je vous en dis pas plus, c'est lui qui vous dira. Donc, je vous dis à tout de suite et c'est parti pour la vidéo. Hein. C'est Franck Oppers. Je vais poser des pieds pour moi, j'aime pas faire mal, par contre j'aime bien toucher les jambes. En fait, ça va vous paraître bizarre, mais non, mais c'est important. Faire mal, ça c'est flatter son ego, c'est même bestial parce que quand on fait mal aux jambes, ça sert à rien. Par contre, je vous promets que j'ai progressé à partir du moment où j'ai senti le low kick. Alors, premier truc, quand on met le low kick, je suis là pour vous apprendre, pas pour frimer. Hein. On baisse la pointe. Pourquoi? Quand vous faites ça, les jambes repoussent. Donc là, c'est plus saillant. Quand vous faites ça, il est saillant. Plein de mecs qui mettent des low kicks comme ça, c'est une grosse canon. On met la pointe, c'est hyper important. Ensuite, on tape avec la partie la plus dure du tibia, ça veut dire la partie haute, surtout pas la partie basse. Essayez de bloquer un low kick avec la partie basse, vous n'allez pas le faire longtemps. Au coup du pied, j'en parle même pas. Vous voyez, même des combattants pro, les mecs, ils ont mal. Là, c'est super bon. Plus on se rapproche d'ici, les kinés peuvent expliquer. Hein. Mais là, c'est beaucoup plus dur. Moi, je suis pas kiné, mais je sais. Non, mais voilà, j'ai vite compris que c'était plus dur ici. Okay. Donc il faut taper avec la pointe et la partie haute. Ensuite, le corps humain il est foutu. Même il y a Gaylord qui est très très musclé, on pourrait le mettre en slip pour voir. Il y a des muscles, il y a le quadriceps, le vaste interne, le vaste externe. Là c'est très musculaire. Donc s'il se contracte, s'il est très musclé, il l'encaissera. Par contre, ce qui est top, c'est là. Voilà. Et qu'un pouce, ça change la vie, allez. Un grand costaud comme ça, avec un pouce. Ici et là. Si vous regardez les jambes, même très musclées, ça fait un galbe. Ici, c'est très gros. Ici, c'est encore plus gros. Dans les dessins animés, ça fait comme ça. Là. Les Superman, les machins, là, voilà. Par contre, ici, jamais j'ai vu un mec avec une boule ici de muscle. Ou alors, il fait une greffe. Donc, bah, c'est là où je vais taper. C'est là où il n'y a pas de viande. Je vais aller tout doucement. Alors, regarde. Je ne vais pas taper. Je ne vais pas m'occuper du mouvement. Juste la précision. Je vais dire, c'est bien le TFL qui est là. Sinon, je vais insérer, je ne suis pas trop. Je vais juste poser, juste ça. Ça va? Poser, là, on le voit dans le champ. T'as vu? Alors regarde, là, je l'ai mis avec la partie basse. Je vais la mettre moins fort, moins fort, moins fort. Je vais pas ta main. Regarde. Oh! Suivant. En fait, faut me mettre petit tout seul. Donc là, je l'ai fait là. Je vais faire un peu plus haut. Donc là, je l'ai fait la partie moyenne. Je vais faire la partie haute tout doucement. Tout doucement. Là, tiens rien, il n'y a pas de temps. Il n'y a rien. Je te réserve la fin. Regardez, la jambe est molle. Je ne fais rien. Regardez tout. Je ne fais rien.
et la partie Donc, vous rappelez, là, alors pour revenir, c'est pas dur, on prend pas la tête, moi je fais pas d'études. Hein. C'est deux mains à peu près au-dessus du genou. C'est ça, ce que tu fais, je pense à moi, je mets deux mains. Et là, je ne prends pas la tête, je prends ici, je vois la hanche, je vois ici globalement, j'enlève à peu près trois doigts. Ok, c'est là. Avec un pouce. Vous verrez qu'on peut le faire avec des points. Plein de choses. Ok, alors, on travaille tranquille. Donc, on ralentit, on va commencer par visualiser l'endroit et après on va bosser dans le mirror, c'est un enfer. Et quand on va retravailler ce caca, ça va paraître très simple. Donc, je suis ici, je suis doucement, on continue le but. Ici, ça va, voilà. Ouais, et ici. Voilà. D'accord ? Alors, les mecs, je suis là aussi pour vous protéger. Quand vous prenez un outil, il faut tout de suite faire ça. Tout de suite. Je vous dis. Moi, je l'ai appris avec détail, très bien autant Guillaume Carner, pour ceux qui connaissent, c'est pas de l'œil, donc là, je suis un ancien, j'ai 54 ans. Vous mettez sur la pointe, surtout pas, vous mettez comme ça. Vous créez une tension, la douleur est moins, il faut rester au moins 30 secondes. Tu te mets comme ça, les tags, c'est ce qu'ils faisaient. Ils discutaient des points avec qui ils attendaient. Je l'ai revu en punch-jack, je l'ai revu à peu près 10 ans après en punch-jack. Ils m'ont dit, tu fais comme ça. Le premier, il fait un peu mal, d'accord ? Mais pas autant que le deuxième, parce que le deuxième, je vais carrément rentrer dans l'avion. Donc le premier, c'est souvent on met à distance. On est là, on tourne, bing, 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 on voit un trou, on kick. Ou alors sur un gauche, ici, bing, 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 ah, on kick, c'est celui-là. L'autre, c'est plus rude. C'est tout, tu t'embrouilles avec la mec, ça chauffe, voilà, ça c'est parfait. Je suis ici, je n'ai pas de problème. Ça, quand je travaillais la nuit, j'utilisais beaucoup, j'y sors. Le mec qui veut pas, là, il fait plaisir. Ouais. Alors, je vais aller tout doucement. En fait, je vais monter. Elle est compliquée celle-là parce qu'on dit, mais comment il peut faire mal? Et pourtant, ça marche. Je ne vais surtout pas chercher à taper. Je vais simplement monter mon genou. Et à un moment donné, je vais lâcher. Simplement ça. Donc, je vais doucement. Je suis ici, j'arrive, je lâche. Ça va. Alors, non, je vais là, je fais ça ici. D'accord. Donc, je vais doucement. Regardez bien, le jambe à l'épaule. Voilà. Alors, vous allez voir quelque chose qui est incroyable. Voilà. Là, c'est bien. Alors, c'est assez impressionnant. Vous le faites sur 100 mecs ou 100 jeunes filles, à chaque fois on réagit tous de la même manière, moi compris, il n'y a pas de machin, de dame, de champion, on fait tous pareil. Je vais le faire doucement pour vous observer son corps. Regardez pas le continent. Il y a deux choses qu'on fait tous. C'est pas ta main. Regardez bien comment il est placé et comment il va être placé après. Non, regardez bien. Chaque fois, le mec il se tourne comme ça. Chaque fois. Sous la douleur, on fait tous comme ça. Et ce qui ça veut dire quoi? Le punch-check, c'est un arbre de stratégie. C'est un arbre très très fin en fait. C'est pas un arbre de bois. Quand je vais tout doucement, je ne vais pas toucher. Quand je mets le kick, je sais déjà qu'il va tomber. Donc qu'est-ce que je fais? Bam! Je tombe droit. Chaque fois, le mec, chaque fois. Donc vous êtes tranquille avant, dès que vous avez posé la jambe, vous passez par derrière, vous le remettez droit. Donc moi, quand je mets un lucky, à chaque fois, je suis là, BAM! Je suis bien derrière. Donc le mec, il prend un coup de pied qui arrive de derrière, BAM! Ça fait drôle, hein, quand on est comme ça et que ça arrive là, je le mets pas en maroshi, je le vois, je le prends surtout pas, je le prends là, BOUM! Avec des chaussures, avec une pointe, une bonne pointe. Donc je suis derrière, vous rendez compte, je suis passé derrière. Donc le mec, il est là, BOUM! Quand vous rentrez. Vous essayez, vous allez voir, le coup de pied croissant passe à chaque fois. Si. Chaque fois, le mec fait ça. Et du coup, il voit. Donc, il ne pourra pas être en mesure de bloquer. C'est du 100%. Alors, allez-y. Ça va. Merci à Franck Opers pour ça.
Moi, je trouve que c'est dans sa pratique, c'est surtout quelqu'un qui est ouvert, quoi, qui est ouvert, qui fait des débats, qui est ouvert et qui est un expert dans sa discipline. Donc, voilà. Donc, moi, je trouve ça super ce qu'il fait, Franck Ropers. En tout cas, je lui dis, si il regarde cette vidéo, merci. Aussi, je vais vous donner un lien. Donc, bien sûr, ceux qui ne me connaissent pas, abonnez-vous à ma chaîne si vous souhaitez avoir plus de vidéos, que ce soit de combat, de karaté, tout ça. Mais sans oublier que je suis ouvert à tout. Et je vous invite aussi, je vous mets dans le lien dans la description, la chaîne de Franck Ropers, que je trouve très bien. Donc abonnez-vous aussi, il y en a déjà pas mal d'abonnés, mais ça fera toujours plus. Donc abonnez-vous à la chaîne de Franck Ropers, abonnez-vous aussi à ma chaîne, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Peut-être pas comme ça, mais ce sera moi qui pratiquera.